quel que soit le lieu où tu es, mets ta main sur ton cœur. Mon Père et mon Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit encore élevé, le précieux nom de Jésus. Nous sommes assemblés autour de cet autel. Nous sommes attentifs à ta voix. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons comprendre ton langage. Nous voulons assimiler ta pensée. Nous voulons marcher dans la vérité et être délivrés de tout concept erroné. Nous maintenant dans la captivité au nom suprême de Jésus. Père, merci pour tes plans préconçus, rattachés à nos vies. Nous sommes ton ouvrage. Père, nous voulons éternel demander en ce jour que ta parole nous équipe davantage et dans chacun d'entre nous à vivre éternel selon le piédestal de cet appel et accomplir les responsabilités qui nous sont assignées au nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce, je mets une demande au devant de ton Saint-Trône. Donne-moi donc encore aujourd'hui, par ta grâce, d'enseigner ta parole. D'enseigner ta parole, accorde la révélation. La révélation amplifie Saint-Esprit, mes propos dans les cœurs. Parle à la vie de chacun d'entre nous. Crée une impulsion de l'intérieur pour une révélation du règne au travers de chacun d'entre nous. Guéris les corps, restaure, éternel le nom suprême de Jésus, les destinés par ta puissance. Lever. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que l'assemblée entière sur la terre dise Amen trois fois. Amen. Eh bien, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Aujourd'hui, je vais juste introduire cette pensée ô combien profonde, riche, qui vient tout droit du trône de Dieu. Le thème de cette pensée, les vérités cachées derrière la mort de Jésus. Le sous-thème, c'est « Pourquoi Jésus devrait mourir ?» Jean 3, 16 à 17, des textes qui nous sont très très familiers. « Car Dieu a tant aimé le monde, on peut aller ensemble en étroit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Notez que dans ce texte et dans son contexte, Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu n'a pas dit que Dieu a aimé les hommes, mais il a aimé le monde. Et c'est dommage pour nous en tant que croyants de ne pas saisir la plénitude de la pensée de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Jésus est venu mourir simplement pour que les hommes aillent au ciel. Non, non, ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Être ignorant sur les vérités cachées derrière la mort de Jésus nous privera de jouir de la plénitude des bénéfices rattachés à cette mort. Il est donc impérieux, urgent pour chacun d'entre nous d'aller à la découverte des vérités cachées derrière sa mort. Le drame, c'est que plusieurs personnes, et même qui entendent parler de sa mort, de toutes les religions possibles, et même dans la religion chrétienne, ne comprennent pas véritablement les raisons cachées derrière la mort de Jésus. Et surtout, quels sont les bénéfices qui sont rattachés à ceux qui croient en cette mort-là. Et c'est bien pour cette raison que beaucoup de personnes vivent bien en deçà du piédestal, de la pensée initiale de Dieu pour eux et ne font pas d'impact dans leur génération. Nous allons aller en profondeur pour comprendre. Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, pourquoi donc Dieu devait envoyer son Fils mourir? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant, soit contraint, soit obligé d'envoyer son Fils mourir sur la croix d'une mort odieuse et honteuse? Pourquoi? Eh bien, il est important que nous revenions au commencement, à la genèse, justement, de notre relation avec Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse.
Genèse 1. Qui dit Genèse, dit commencement. Et allons comprendre, justement, dans Genèse, la Genèse de la Genèse ou le commencement du commencement. Parce que derrière Genèse, il y a une Genèse. Verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand vous regardez le verset 2, la Bible dit la terre était informe. Il y a un problème, informe. Dieu ne peut pas créer ce qui n'a pas de forme. Ça veut dire qu'entre le premier verset et le deuxième verset, il y a quelque chose là que le narrateur ne nous a pas dit. Mais chaque fois que la Bible nous cache quelque chose, la réponse de ce qui est caché se trouve dans la Bible et non ailleurs. Donc entre le premier verset et le deuxième verset, il y a une portion des Écritures qui n'est pas là. Il y a une histoire que la Bible ne nous raconte pas là, mais qui se retrouve plus loin dans Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle, roi. Par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Eh bien, ce texte nous ramène justement à la genèse de la genèse, ce qui a eu lieu au commencement. En fait, dans l'histoire dans laquelle nous avons été impliqués et qui a donné à Jésus de venir mourir plus tard à la croix, cela a commencé au jardin, dans la montagne de Sion. À la montagne de Sion, Dieu, dans toute sa gloire et sa splendeur régnait. Il était dans son gouvernement ordonné, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il avait organisé son royaume. Il y avait donc un premier ministre d'État, qui était le ministre d'État Lucifer, chargé il était ministre de la culture au ciel. Et donc c'était sous lui qu'il y avait la louange, qu'il y avait la célébration. Bref, la culture du ciel était communiquée par le département d'État, justement, de Lucifer. Mais il y avait aussi un autre ministre d'État appelé Gabriel. Lui, il était chargé de communication. Chaque fois que Dieu a un message envoyé, c'est par le canal de Gabriel que le message était communiqué. On avait donc aussi l'archange Michaël, qui était le ministre d'État chargé des forces armées. Donc le gouvernement de Dieu était glorieux. Et le plus étincelant, le plus lumineux de tous était Lucifer. Il était dans le bras droit de Dieu. Après Dieu, c'était lui. Et la gloire de Dieu était extraordinaire. Au commencement, donc, Dieu avait créé les cieux, Dieu avait créé la terre. Dieu était dans sa gloire au ciel. Et il est arrivé que Lucifer a donc fomenté au ciel pour la première fois un coup d'État. Mais comme Dieu n'est pas comme nos présidents africains qui peuvent être supplis par les Kalachnikov, alors Dieu a détecté le coup d'État au ciel avant même que le coup d'État n'ait lieu. Et Dieu donc va dans son entièreté, dans sa personne, prendre la résolution de résoudre justement ce problème. Voici ce que Dieu va faire. Quand je parle de Dieu, je parle du Père, je parle du Fils et je parle du Saint-Esprit. Dans le conseil de Dieu au ciel, voyez-vous, va être confronté au problème de la révolte de Lucifer. Lucifer décide de prendre la place de Dieu. Il fait un coup d'État et il embarque derrière lui
le tiers des anges. Alors Dieu dit, il faut qu'on se réunisse. Ça, c'est le conseil d'État qui va siéger à cause justement d'un problème qui est survenu au ciel. Lucifer a décidé de faire un coup d'État, mais Dieu a fait avorter de par son omniscience. Et donc, ils vont discuter ensemble. Et de cette résolution sortira ce qu'on a vu dans Ézéchiel 28. Alors le Saint-Esprit, qui est porte-parole de Dieu, ils vont prendre la première résolution, celle de régler ce problème sans avoir à affronter Lucifer directement. Parce que eux, c'est les créateurs. Ils ne peuvent pas descendre pour combattre avec la créature. Ce serait illégal. Et même, ce serait pas digne, ce serait pas glorieux. Alors ils décident, pour régler ce problème, de susciter une créature qui est dans le rang au-dessus de Lucifer. Parce qu'ils ne peuvent pas juger Lucifer avec Gabriel, avec Michaël, qui était sous Lucifer. Lucifer étant leur chef, la punition ne peut pas venir des subalternes. Il faut sortir quelqu'un au-dessus. Alors dans la pensée de Dieu, Dieu dit, je te jette par terre et je suscite une nouvelle race appelée des rois. Dans la pensée de Dieu, quand vous voyez le verset, je te jette par terre afin que les rois te voient. Dieu a conçu dans sa tête une nouvelle espèce, mais à l'allure royale, qui allait infliger à Lucifer sur la terre le supplice de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc Dieu n'a jamais, et bien jamais dans sa pensée, imaginez que l'être humain devait être ton esclave. Non, mais il dit, je te jette par terre afin que les rois te voient. La royauté a toujours été la pensée de Dieu pour l'homme. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, les rois sortiront de toi. Donc, si tu n'es pas un roi, c'est un mensonge. En fait, tu es ton roi. En Dieu, il n'y a pas d'esclave. Non, il n'y a pas d'esclave. La royauté est ton partage. J'appelle cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore meilleur amen. Et donc Dieu va donc concevoir cette espèce royale pour infliger à Lucifer cette sanction. Sauf que là, la création de l'homme va demander une concertation vraiment profonde. Dieu a un problème sérieux. Lucifer avait les pierres étincelantes. Et il était de saphir, l'émeraude, l'escarboucle. Et toutes ces choses, il était beau. Lucifer était glorieux. Alors Dieu va essayer de trouver une solution pour que l'homme soit au-dessus de Lucifer. Mais Dieu, pour créer Lucifer, avait déployé l'intelligence la plus élevée. Donc c'était le niveau le plus élevé de ce que Dieu était capable de faire en termes de créature. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas, pour pouvoir maintenant donner à l'homme un éclat au-dessus de Lucifer? Le conseil de Dieu est obligé de prendre une décision sérieuse. Et le Saint-Esprit va communiquer dans Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine. Donc quand Dieu décide de créer l'homme à son image, c'est simplement parce que il n'y a pas une autre possibilité. Cet homme doit être tellement glorieux qu'il ne peut qu'incarner l'image de Dieu. Il faut qu'il soit comme Dieu. Il faut qu'il ressemble à Dieu pour être au-dessus de ce que Lucifer a été. Et donc aujourd'hui, vous voyez, quand Lucifer est au contrôle quelque part, les gens se déterminent par les boucles d'oreilles, par les avoirs qu'ils possèdent. Alors que dans la création de Dieu, ce n'était pas les boucles d'oreilles, ce n'était pas l'or, mais c'était ce que l'homme était. Vous voyez, donc la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu, c'était ça sa véritable valeur, et non les choses d'éclat extérieur. Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde comprend? Donc cet homme est donc conçu par Dieu, mais il est conçu par Dieu parce que Dieu a un problème sur la terre. Dieu doit régler un problème sur la terre. Et Dieu va donc placer cet homme dans le jardin d'Éden avec une seule intention. Il faut que cet homme garde le jardin. Il faut que cet homme domine dans le jardin. Dis encore amen. Amen. Et donc, cet homme a donc l'image. Quelqu'un dit image. Quelqu'un dit image. Et vous voyez, si vous voulez comprendre quelle est la pensée de Dieu au sujet des hommes, retournez à l'idée initiale que Dieu a eue quand il a créé les hommes. Il a créé l'homme à son image. Il n'a pas créé l'homme à l'image d'autre chose que lui-même. Quand on parle d'image, je vous montre ma photo. Ma photo, c'est l'image de qui? Moi. Et quand vous voyez ma photo, vous avez vu qui? Moi. Et donc, est-ce que ma photo et moi pouvons être différents? Non. Pourquoi? Parce que la photo, c'est mon image. On est d'accord? Donc l'image reflète ma personne.
L'image reflète ma gloire. Vous ne pouvez pas être habillé en jean et vous faites une photo, vous sortez en veste. Non. Sauf si c'est Photoshop. Vous devez reproduire exactement, d'accord, l'image que vous êtes. Alors Dieu décide, il dit, je fais l'homme à mon image. En d'autres termes, je serai visible au travers d'un être physique. Et cet être est appelé l'homme. Et donc, de cet homme-là, si Dieu est glorieux, il doit être comment ? Glorieux. Si Dieu est resplendissant, il doit être comment ? Resplendissant. C'est pourquoi toute doctrine qui fait croire que la gloire n'a rien à voir avec l'apparence est une doctrine erronée. La gloire a un impact même sur l'apparence. Jésus dit, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oh, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. En d'autres termes, chaque jour que tu sors de chez toi le matin et que tu te présentes hors de ton portail, les voisins voient Dieu sortir par toi. Et donc, ça veut dire que la coiffure que tu as sur la tête, tu es en train de dire aux voisins, c'est comme ça que Dieu se coiffe. La chaussure que tu portes, tu es en train de dire, c'est comme ça que Dieu s'habille. Donc Dieu est soucieux de tous les détails de ton être. C'est pourquoi il a dit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Donc si ce n'était pas important, il ne parlerait pas des cheveux. Il parlerait des artères de ton cœur. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître très sain de dire, ouais, dans tous les cas, même si je suis mal habillé, non, tu es mal habillé, c'est ton péché. Et je vais plus loin, le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Il est possible que la raison pour laquelle la présence de Dieu soit absente dans chez toi, c'est que le bas de ton lit est trop sale. Et que Dieu ne s'accommode pas à ce qui est sale. Dieu aime la propreté parce que Dieu est un Dieu de gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Et il dit, tout dans ma maison s'écrit gloire. Ce n'est pas son temple qui ne s'écrira pas gloire. Allez relire la Bible et regardez dans l'Ancien Testament pour voir à quoi ressemblait le temple de Dieu, là où Dieu habitait. De l'or, des objets précieux, des métaux de qualité. Et aujourd'hui, Dieu dit, je n'habite pas de maison faite de main d'homme. Je me suis fait un autre temple en ta personne. Donc fais attention à comment est-ce que tu te tiens, à comment est-ce que tu te présentes. Que la religion ne vole pas l'éclat de la gloire attachée à ton image. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Ensuite, Dieu va plus loin et dit ressemblance. Quelqu'un dise ressemblance. Encore ressemblance. Vous savez, la ressemblance ici, c'est le caractère. Ne t'habille pas comme un moine et tu te comportes comme un pécheur. Il faut donc que ta ressemblance soit en adéquation avec ton cœur. Que la sainteté apparente se dégage même dans ton cœur, dans ton système de pensée, dans tes raisonnements, dans tes dires, dans tes actions. Tu dois monter une certaine hauteur. Dieu doit être vu dans ton caractère. Et en delà du caractère, il y a la puissance. Quelqu'un dit puissance. Oh non, dis-le bien. Puissance. Une dernière fois. Puissance. Et il dit, j'ordonne que tu sois puissant. En d'autres termes, Dieu veut que par ta vie, sa puissance soit visible. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on a une église qui est toujours en train d'appeler Dieu là où Dieu nous attend. Oh Dieu, viens me sauver. Oh Dieu, viens me faire ci. Est-ce que tu sais que même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Dieu qui a ouvert la mer rouge devant Moïse? Lisez bien votre Bible. Dieu a dit à Moïse, je t'ai donné le bâton, fends la mer. Étends la mer, ta main et fends-la. Parce que Dieu ne voulait pas être celui qui fait l'exploit. Il voulait que ce soit justement Moïse qui soit l'auteur de cet exploit. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta main s'ouvrira. Ta manière de dire amen m'embête. Il dit, étends ta main et fends la mer. Fends-la. Fends la mer. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Quand il a dit, Dieu dit, qui parle? Le Saint-Esprit, c'est au singulier. Faisons, c'est quoi? Au pluriel. Ça veut dire que ce verset cache le fait qu'il y avait un porte-parole qui annonçait la résolution d'un conseil. Donc, chaque fois que tu te lèves, frères et sœurs, au lieu de regarder à ton compte bancaire, ou à tes contrats, ou alors à tes affaires en péril, ou à les choses qui t'attaquent, rappelle-toi que tu es la résultante d'un haut conseil divin. Et que ta vie n'est pas au hasard. Et que Dieu ne t'a pas fait venir par hasard. Tu n'es pas au hasard. Pas du tout. Ta manière de dire amen m'embête. C'est pourquoi Dieu va créer tout avec sa parole. Il appelle avec sa parole. Il dit que la lumière soit, que la terre produise, que les eaux produisent. Mais au niveau de l'homme,
Il s'arrête et il rentre en lui-même. Parce que la parole ne suffit pas. Il faut qu'il associe à sa parole la main. L'homme a été le seul être que Dieu a touché en créant. Dieu a sorti sa main de l'univers. Les lions ont vu deux grosses mains descendre par terre et commencer à façonner de la terre l'homme. Et il peut dire à quelqu'un que Dieu t'a touché, que Dieu t'a tissé, que Dieu a touché ta vie avec sa main. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu va donc créer l'homme à son image. Et puis il va former l'homme de la poussière du sol. Entre-temps, le lion regarde, l'ours regarde, la girafe regarde, l'or regarde, le chimpanzé regarde, tout le monde entier regarde ce que la création, ce que Dieu est en train de faire. Il touche de ses propres mains une créature. Et celle-là est appelée homme, touchée par les mains de Dieu. C'est comme si vous avez un conseil de ministre. Et puis, au conseil de ministre, le président s'arrête soudainement et il appelle un ami du conseil, il dit viens. Le garçon, il se met à côté, il commence à causer avec lui, en aparté, il cause devant tout le monde, il se tapote. Tous ceux qui sont à côté disent, Joe, même si on est là, tous dans ce monde-là, il y a une différence entre nous et celui-là. Donc, en te touchant de ses propres mains, Dieu a voulu que tout le monde entier reconnaisse, le cosmos reconnaisse que l'homme est différent de tous les autres êtres, que l'homme est au-dessus de tous les autres êtres. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Que quelqu'un dise, je suis différent. Dis-le encore. Et vous voyez la beauté de cela? C'est que nous qui vivons dans cette dispensation, souvent nous sommes très loin de comprendre ce que Dieu fait. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu extraordinaire. Avec le bâton de Moïse, il a ouvert la mer Rouge. Dites-moi, comment est-ce que Moïse dormait? Comment est-ce que Moïse se baladait? Moïse devait avoir un problème, la gestion de son bâton. Comment il fait pour gérer son bâton? S'il a perdu son bâton, il a perdu le pouvoir. Sûrement quand il dort, son bâton, il doit être sous l'oreiller. Il doit fermer la porte à clé parce qu'il ne faut pas perdre son bâton. Et tout le monde savait que le bâton de Moïse, c'était là où était sa puissance. Mais Dieu, dans la Nouvelle Alliance, n'a pas voulu te causer ce problème. Parce qu'il savait que dans l'avion, on pouvait te dire de ne pas monter avec un bâton. Alors il a changé d'endroit. Il n'a pas voulu que le bâton soit gardé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il a pris le bâton, il l'a mis en toi, par le Saint-Esprit, afin que quand tu dormes la nuit, que ce soit en prison, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans le palais, que ce soit dans la ville, que ce soit au marché, le bâton soit à l'intérieur. Et il a transformé la puissance de ce bâton en cinq lettres réduites. J-E-S-U-S, c'est Jésus. Afin que quand tu le cites, rien ne te résiste et que les portes fermées s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit manifeste. Donne-moi trois bons amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu puissant. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il ne veut pas que tu sois, qu'il soit la seule personne puissante. Je te fais puissant. Je décrète, déclare, établi sur ta vie que ta puissance est visible dans ta génération. Tu es juste extraordinaire. Et vous savez, nous sommes là tout le temps et nous chantons. Ah, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et nous oublions, c'est vrai, il est bon, il est merveilleux, mais il veut agir par nous. Il veut se servir de toi. Il veut montrer sa gloire au travers de ta vie. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est extraordinaire. Je vais te montrer pourquoi c'est un danger de ne penser qu'au ciel en oubliant tes responsabilités terrestres. Dieu a besoin de toi. Dieu va se servir de ta vie. Dans cet homme qu'il crée, il le met dans le jardin d'Éden. Et quand il crée cet homme, il place l'homme dans le jardin et regardez ce qu'il va dire à l'homme. L'homme, Dieu bénit l'homme. Il le bénit. Première chose, quand il voit l'homme, il fait quoi? Il le bénit. Première chose, il bénit l'homme. Il n'a pas maudit, il bénit. C'est-à-dire, il déploie sur l'homme un potentiel, une capacité à pouvoir accomplir avec brio ce à quoi Dieu l'a appelé. Il enrobe l'homme d'un potentiel unique. Il favorise l'homme au milieu de la création. Il crée une prédisposition à la réussite en bénissant l'homme en disant sois fécond. Il n'a pas dit bonjour,
La première chose, c'est qu'il a dit, sois béni. Dieu est intéressé par ta bénédiction. Il veut que tu réussisses. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as été conçu par lui pour infliger sur la terre à Satan une correction grave. Et plus grave encore, écoute-moi attentivement. Non seulement tu vas infliger la correction à Satan sur la terre, mais il y a un poste que Satan a laissé vacant au ciel. Parce qu'il était ministre d'État chargé de quoi? La culture. Donc le poste de ministère de la culture au ciel est resté vacant. Donc en te créant, Dieu crée un autre, résout un autre problème. Il va donc combler la vacance de ce poste. Tu deviens donc d'office en tant que nouvelle créature, voyez, par Dieu, le ministre d'État chargé de la culture du royaume des cieux. C'est pourquoi c'est par ta vie que le royaume des cieux se démontre sur terre. C'est pourquoi c'est par toi que les gens voient à quoi le royaume de Dieu ressemble. La culture du royaume, c'est toi qui l'incarne. Ce ne sont pas les anges, c'est toi. Monsieur, très excellence, ministre de la culture, ministre d'État au gouvernement de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait les cumuls de mandats et de postes. Donc on est en même temps ministre d'État chargé de la culture et en même temps ambassadeur sur la terre. Dans le ciel, celui qui apporte à Dieu l'adoration, c'est toi. Ce n'est plus vacant. Vous allez vous rendre compte que chaque croyant, quand tu es vraiment né de nouveau, quand il s'agit d'adoration ou de la louange, il y a quelque chose en toi. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toi qui dois louer Dieu. C'est toi qui dois l'adorer. C'est le rôle qui t'est réservé. C'est le poste qui est vacant. C'est ce dont Dieu a besoin. Et c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire lui-même, c'est de s'adorer. Il a besoin de toi. Oh non, quelqu'un comprend ça? Dieu est grand, mais il ne peut pas s'adorer lui-même. C'est pour ça que si tu ne le fais pas, il dit, je vais chercher les pierres. Dieu ne peut pas s'adorer. Il a besoin de ton adoration. Amen. Tu as déjà ressenti la gloire qu'il y a quand tu es seul chez toi et que tu lèves les mains pour dire, Seigneur, je t'aime. Quand tu es à genoux dans sa présence et que tu dis, je m'abandonne à toi. Oh, tu peux. Tu te rends compte, il y a quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que là, tu occupes le poste vacant. L'adoration. Si Dieu t'a touché de ses mains, c'est parce qu'il voulait avoir avec toi une intimité. Le drame de beaucoup d'entre nous, c'est que nous parlons beaucoup au dehors, mais très peu dedans avec Dieu. On n'a pas de relation. On n'a pas de communion. Alors que Dieu veut de toi une amitié. Quelqu'un dise amitié. Amitié. Quelqu'un dise encore amitié. Amitié. Dans cet homme que Dieu bénit, Genèse 2, verset 15 à 17, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit, tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin. Revenons au verset 15. Remettez le verset 15, s'il vous plaît. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça au milieu du jardin pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, regardez bien attentivement. Qu'est-ce qu'il dit? Il donna cet ordre à l'homme, tu pourras. Dis après moi, tu. Il dit encore quoi? Tu. Encore tu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà le verset 17. Mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas de l'homme la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant revenons à Genèse 3, verset 1. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous. Il a dit quoi? Vous. Mais Dieu a dit quoi? Tu. Le diable dit quoi? Vous. Mais Dieu a dit quoi? Tu. Pourquoi Dieu dit tu et le diable dit vous? Parce que Dieu est dans la notion d'autorité et de leadership. Alors que le diable est dans la notion de confusion. On est deux personnes dans la maison, il n'y a pas de chef, on est tous deux les chefs. Vous. Nous, on est venu revendiquer la femme est l'égale de l'homme. La femme est comme l'homme. Vous. Nous sommes des féministes. On est venu réclamer vous. Mais Dieu n'a jamais dit vous, mais Dieu a dit tu. C'est pourquoi quand la femme a mangé, le ciel est resté silencieux. Parce que souvent, la position que tu as est meilleure.
ça ne te cause pas de problème parce que tu n'es pas responsabilisé. Ne porte pas sur tes épaules une charge qui ne t'est pas donnée. Être un leader, c'est Dieu qui l'établit. Dans la maison, le leadership, c'est l'homme. On n'a pas dit que les femmes sont incapables. Mais il a dit « tu », il n'a pas dit « vous ». Pas le vrai problème. Tu ne pourras pas manger. Tu, mais Dieu était plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas deux Jésus qui devaient être immolés. Et Dieu savait que s'il disait vous, c'était la confusion. Il fallait tu. C'est pour ça que quand la femme a mangé, le ciel attendait pour voir qu'est-ce que le chef décide. Qu'est-ce que le chef dit? C'est vrai que l'homme devait transiter par le ventre de la femme, mais tous les hommes étaient en un seul homme appelé Adam. La femme ne portait aucune semence. Tu ne mangeras pas. On n'a pas dit vous, parce que c'était en l'homme. Le diable dit vous. Dieu dit tu, le diable dit vous. Vous savez, dans un endroit où c'est vous qui commande, il y a la confusion. Il faut toujours le tu. Dans une église, ce n'est pas vous, église, c'est tu, église. Il faut un chef, il faut un leader, il faut une autorité. C'est tu, ce n'est pas vous. Dans un pays, c'est tu, ce n'est pas vous. C'est tu. Ah oui, l'ordre, l'autorité incarnée par le leadership. Tu, pour le bien-être de tout le reste. Parce que l'autorité placée dans le jardin avait la responsabilité du devenir de tout ce qui était en lui. Si simplement nous prenons compte, conscience de cette responsabilité, combien de vies sont rattachées à notre leadership et comment nous ne devons pas jouer avec notre vie, même si notre compagne et ceux qui nous entourent sont en train de faire n'importe quoi. Dieu a dit « tu ». Quand Dieu m'a appelé, il dit « tu quitteras », il n'a pas dit « vous ». Même si ma femme, un jour, fume le chanvre par le nez, Dieu a dit, tu. Et aussi longtemps que je reste faible, je vais la gagner. Parce qu'il a dit, tu. Chaque fois que Dieu te parle, Dieu te dit, tu. Et il ne faut pas vous voyez ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a dit, tu à toi. Ce que Dieu t'a dit, c'est à toi qu'il a dit. Que les gens jouent à côté de toi, c'est top. C'est pas ton problème. Dieu t'a dit, tu. Il y a beaucoup de personnes, pasteurs qui mangent le gaba dans le codrome, même le dimanche soir, samedi soir, c'est eux. Mais moi, Dieu m'a dit, tu. Je ne peux pas traiter comme si c'était vous. C'est à moi, tu. Il faut tutoyer ta destinée. C'est très important. Tu ne pourras pas manger. Tu. Il a parlé. Quand la femme a mangé, Dieu s'est tu. Il attendait ce que le tu va faire. Ce que Adam va faire. Ce qu'Adam a pris pour manger, que là il y a un problème. C'est à partir de ce moment que la voix de Dieu s'est fait entendre dans le jardin. Dieu qui parcourait le jardin. Le soir, il dit à Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, où êtes-vous? Parce qu'il parlait à tu et non à vous. Où es-tu? Tu es où? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Je me... As-tu mangé? Tu, pas vous. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Quelle irresponsabilité. C'est la femme que tu m'as donnée. Toi, un gros garçon comme ça, cette petite femme-là qui te fait échouer, c'est la femme qui m'a donnée. T'as pas honte? C'est la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Et puis tu trembles devant femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Il a dit tu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ridiculisent et dessinées à cause des femmes. Un jour, quelqu'un m'a demandé, parce qu'on va faire quoi contre des femmes? J'ai dit rien. J'aime les femmes. J'aime l'ordre. C'est tout simplement ça. Maintenant, le tu peut être aussi pour une femme à qui Dieu a parlé. Dieu t'a parlé individuellement. Donc, tu ne peux pas mettre ça à vous. Quand Dieu te parle, c'est tu. Alors Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Regardez, parce qu'on lit la Bible, je ne sais pas ce que les gens comprennent. Mettez Genèse 3, verset 15. Après, quand tu vas parler au serpent, regardez Genèse 3, 15, s'il vous plaît. Et changez la personne qui est là, ce n'est pas rapide. Ok, très bien. Je mettrai inimitié entre toi et qui? La femme. La femme. Et la postérité. Entre ta postérité et ça? Postérité. Celle-ci? Ça veut dire que quand il a dit tu, il n'a pas exclu la femme du jeu, sauf qu'il voulait l'ordre.
celle-ci te crachera la tête, la postérité de la femme, et tu lui mordras le talon. Maintenant, suivez-moi attentivement. Le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, quand il a béni, il avait un plan extraordinaire. C'est pas ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, où les gens pensent que Dieu est seulement venu te chercher pour t'amener au ciel. C'est pas vrai. Vous savez, et il y a des messages qu'on enseigne. Ah oui, ah, je lis Satan, je le chasse, le feu, feu, feu. Je vous pose une question. Cet Adam-là, que Dieu a béni, était-il possédé? Non. Était-il possédé? Non. N'a-t-il pas été béni? Oui. Est-ce qu'il a réussi? Non. Répondez-moi. Non. Encore? Non. Attention. Ne mettez jamais la responsabilité de votre réussite sur une bénédiction extérieure. Ah non, écoute-moi, ah parce que mon frère m'a béni, je ne comprends pas pourquoi ça va, je m'en frère. Dieu a béni Adam, il a échoué. Le problème, c'est toi. Il faut que tu regardes à l'intérieur, c'est toi. Il était béni, n'est-ce pas? Il était béni, n'est-ce pas? Par Dieu. Est-ce qu'il a réussi? Non. Je vous pose une autre question. Est-ce que lui, il était possédé? Non. Est-ce qu'il était possédé? Non. Alors pourquoi vous pensez que si on a fait la délivrance, chasser les démons, feu, feu, sort, 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 vous allez réussir? Le diable a réussi à faire entrer des doctrines qui vous mettent en retard. La doctrine de la délivrance permanente. Matin, midi, soir, délivre. Coupez le cordon, coupez le cordon, coupez le cordon. Dites-moi, si vous voulez couper le cordon ombilical d'Adam, vous coupez le cordon ombilical de qui? Est-ce que Dieu était possédé? Non. Non. Sont sérieux. Et c'est la doctrine. Que, vous savez, les Antilles, les Africains, feu. Frère, quand les gens n'ont pas de connaissance, ils tombent dans la nuisance. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Vous devez vous asseoir pour apprendre. Il y a des gens à qui Dieu a parlé. Vous devez vous asseoir à leur école pour comprendre la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas une affaire feu, feu. Mais, non, 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 frère, non. Non. Je dis encore non. On peut ôter tous les démons du monde. Et tu n'es pas attaqué, mais tu échoues. C'est pas une question de démons qui te fait échouer. C'est une question de mentalité. C'est la mentalité qui fait échouer. Et l'Église est devenue complice du souverainement de notre continent. Je vais vous montrer dans cet enseignement comment Jésus a prévu la rédemption des nations par le salut. Et pourquoi l'Église est en retard. C'est dramatique. L'Église est devenue complice de l'avilissement de la société. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont à l'Église. Ils vont au ciel parce qu'ils sont à l'Église, mais ils ne réussissent pas dans la vie à cause de l'Église. Il y a des gens qui auraient été meilleurs sans Jésus. Parce qu'une fois qu'ils ont reçu Jésus, on les a endoctrinés. Mais Dieu a dit à la femme, au serpent, la semence, la femme fera quoi? Écrasera. On n'a pas dit va faire feu sur toi, mais écrasera ta tête. Maintenant, asseyez-vous un peu pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est du lourd. C'est du lourd. On y écrasait ta tête, ça veut dire ton système de pensée, ton raisonnement, ton concept, ta philosophie sera ébranlée par la semence de la femme. Vous voyez, même quand vous voyez, que ce soit le communisme, que ce soit le capitalisme, ce sont des systèmes érigés depuis la pensée de l'enfer. Mais il dit, la semence de la femme écrasera ta tête. Donc tous ces systèmes seront anéantis par la nouvelle création. Dieu te considère comme quelqu'un qui crée un nouveau état dans l'état. Et toi, tu te considères comme... Et puis après ça, qu'est-ce qui se passe? La semence de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois décapiter, tu dois écraser la tête, tu dois anéantir le système. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tant que le système n'est pas anéanti, tu es en retard. Si tu es un homme pauvre et que je te donne l'argent, l'argent ne fait pas de toi un homme riche. Tu es un pauvre avec l'argent. Un pauvre avec l'argent va manifester sa pauvreté par ses dépenses. Tu es pauvre justement au pouvoir, tu es un pauvre au pouvoir. Et c'est pourquoi nous avons des gens pauvres au pouvoir qui peuvent être corrompus alors qu'ils sont au pouvoir. Comment tu es au pouvoir en te corrompant? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Tu as le pouvoir. Mais attends, on te donne le pouvoir et on va te corrompre. Tu as le pouvoir. Ça n'a aucun sens. Tu as le pouvoir et on va te corrompre. On ne peut pas te corrompre, tu as le pouvoir. C'est parce que ta mentalité n'est pas bonne
qu'en fait, on peut te corrompre et ton pouvoir. Mais si ta mentalité est bonne, on ne peut pas te corrompre. Et Dieu dit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Pourquoi est-ce que Dieu aimait David? Parce que c'était un trancheur de tête. Tant que tu n'as pas tranché la tête, tu n'as rien fait. Il y a un secteur où un Goliath t'attend. Tu dois trancher sa tête. Ah, regarde-moi, tu me dis, je n'ai pas d'épée. David n'avait pas d'épée. Ton épée, c'est quoi? Je suis pas allé à l'école. Je n'ai pas de, j'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de relation. Mais tu vas trancher la tête de ce Goliath. Parce que Dieu veut t'utiliser pour te montrer de quoi il est capable. Dans le domaine de la politique, le domaine de l'économie, le domaine de la science, le domaine de la religion, tu dois trancher la tête. Dieu m'a montré mon Goliath. Et j'ai décapité sa tête. Je vous dis la vérité, la tête a tombé. Quand vous creusissez des combats dans le monde surnaturel, les évidences sont manifestes dans le naturel. Ça doit être, c'est quand même terrible de voir le niveau de petitesse à laquelle on est aujourd'hui dans l'église. Inacceptable. David était un petit. Goliath était un géant. David était petit. Mais Dieu a dit, tu vas affronter ce gars. David a regardé Goliath. Il s'est dit à lui-même, ce gars ne va pas tenir. Tout le monde pensait qu'il se moque, qu'il n'est pas qualifié. Les qualifiés étaient autour en train de chanter les cantiques. Étaient en tenue d'armée. Je vais te dire une chose. Il y a des gens que tu vois au pouvoir, mais ce n'est pas eux qui doivent régner. Oh non, vraiment, je ne sais pas si je parle à la bonne église ou si à quelqu'un d'autre qui doit venir ici. Il y a des gens que vous voyez habillés, mais ce n'est pas à eux le pouvoir. Le pouvoir est donné à quelqu'un d'autre d'anonyme, quelqu'un d'autre d'inconnu, quelqu'un d'autre de disqualifié naturellement, quelqu'un d'autre de choisi par Dieu, quelqu'un qui a confiance en la puissance de Dieu. Et il a regardé Goliath, il dit, je trancherai ta tête. Quand Goliath a marché, David a couru. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que la cadence de son adversaire soit plus rapide que la sienne. N'aie pas peur de Goliath. Ton Goliath tombera. Ton amen m'embête. Ton Goliath tombera. Ton amen m'embête. Ton Goliath tombera. Ton amen m'embête. Parce que Dieu t'a conçu pour tuer les géants. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Quelqu'un dit Dieu n'a pas changé. Oh, regardez ce que le Saint-Esprit vous montre maintenant. Cet Adam, mis dans le jardin en tant que chef, n'était pas accepté par tous au départ. Parce que ce n'est pas lui qui doit régner. C'est quand même pas quelqu'un qui sort de la terre où le lion a déféqué, où les vaches ont déféqué, où le singe a uriné. C'est quand même pas lui que Dieu va prendre pour en faire notre chef. C'est pas lui que Dieu va prendre pour en faire notre chef. Mais directement, quand Dieu veut te donner la position d'autorité, il ne te fait pas toujours naître dans les conditions acceptables. Il te camoufle dans des conditions où personne ne reconnaît exactement qui tu es. C'est pour ça qu'il dit, prends l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les grands à leur table. C'est ce que Dieu est capable de faire. Mais une fois qu'il a béni Adam et qu'il a touché Adam pour montrer à Dieu, aux anges, qu'il était avec Adam, tout le monde a respecté Adam. Je suis en train de te dire que la nouvelle naissance, c'est un nouveau toucher de Dieu. Dieu te touche avec sa main pour montrer aux gens qu'il t'a choisi. Et je déclare que tu accompliras des exploits dans ta génération par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Amen. La sémence de la femme écrasera ta tête. Et vous voyez, le drame, c'est que nous lisons la Bible. Et nous passons le temps à dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est fâché. Parce que vous voyez, Dieu ne veut plus que tu ailles en Israël pour contempler sa gloire. Il veut faire de toi le témoignage de sa grandeur. C'est pour ça qu'il dit, je suis le Dieu des vivants et non des morts. En d'autres termes, s'ils sont morts, j'ai besoin d'un autre nom. Donc Dieu ne veut pas simplement dire Abraham, Isaac, Jacob, mais il veut prendre ton nom. De façon que les gens de ton quartier, les gens de ta zone, les gens de ta ville, les gens de ton pays n'aient pas à voyager loin. Pour être à même de voir ce que Dieu va faire. Je déclare dans le nom suprême de Jésus.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta vie va étonner plusieurs. Ta vie va surprendre plusieurs. Parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Le potentiel est en toi. Le potentiel divin est en toi. Dieu l'a infusé en toi. Il est dedans. Quelqu'un dit, je peux y arriver. Et je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Alors, ce gars a échoué. Jésus vient maintenant pour le sauver. Et dès qu'il le sauve, il le prend, il part au ciel. Il a réussi? Non. Je vous pose une question. Il a réussi? Si Dieu prend les gens, il l'amène au ciel. Qui a gagné? Le diable. Le diable a gagné. Parce qu'en fait, la conception de l'homme n'était jamais pour qu'il soit au ciel. C'est pour ça que Dieu a obligé de faire une nouvelle terre. Parce que c'est sur la terre que l'homme devait régner, pas au ciel. Donc si on te prend pour t'amener au ciel, c'est un échec. Parce que tu n'as pas été conçu pour aller au ciel, mais pour régner sur la terre. Donc Dieu veut te laisser sur la terre. En fait, dans les grands combats de boxe, quand vous avez perdu au premier combat, on demande maintenant un match de revanche. Donc Jésus est venu pour le match de revanche. Sauf qu'il se trouve que le premier combat, tu as été terrassé. Mais au deuxième, Jésus te refait descendre dans l'arène face à ton Goliath. Et pendant ce temps, l'entraîneur tout autour. Les gars se chauffent, tu es là, tu regardes ton adversaire. Parce que tu sais que tu dois prendre ta revanche. Depuis tes aïeuls, tout le monde a été noqué, couché par la pauvreté, couché par la maladie, couché par la défaite. Mais un petit gars sort quelque part dans l'arène par Jésus. Amen. Et c'est la personne que Dieu a choisie. Et les spectateurs sont là. Et le boxeur arrive. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, il faut que les gens vous regardent. Il faut que les gens vous regardent. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les spectateurs, il y a les acteurs. Les spectateurs sont plus nombreux. Ils sont tout autour. Ils font beaucoup de commentaires. Ils critiquent les héros. Mais les héros se détournent. Ils ne combattent pas les spectateurs. Parce qu'ils savent qu'ils vont puiser la force des critiques et des murmures des spectateurs ou qui sont là tout autour. Quand David entre dans l'arène, ses frères disent, nous savons qui tu es, petit bâtard là. Tu es venu ici pour voir le combat. David n'a rien dit. Il s'est détourné. Il dit, Joe, je ne peux pas lutter avec vous, c'est gaspiller mon énergie. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Ah, tu écoutes, tu fais comme tu n'as pas compris, tu passes ta marche. Vous savez, frères et sœurs, chaque fois que vous répondez à quelqu'un, vous mettez à son niveau. Dieu n'a pas répondu à Satan parce que Satan n'était pas de son niveau. Ça ne sert à rien de répondre aux gens qui ne sont pas de ton niveau. C'est pas possible. Il faut laisser les pressions être réglées par les gens du même niveau. Et vous allez voir que, contrairement à ce qu'on pense, Satan ne respecte pas le nom de Dieu, mais le nom de Jésus, parce que Dieu n'a pas voulu lutter avec le diable et il ne le fera jamais. Il a donné à un homme la responsabilité. C'est pour ça que Jésus est devenu 100% homme. Et quand il dit un démon, démon sort au nom de Dieu, il ne part pas. Parce que Dieu n'a pas vaincu Satan. Dieu n'a jamais vaincu Satan. C'est Jésus qui l'a vaincu. Vous comprendrez pourquoi l'apôtre Pierre dira, cet homme livré selon la préséance de Dieu. Parce que Dieu est livré. Personne ne peut livrer Dieu. Personne ne peut crucifier Dieu. Et c'est ça le mystère. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Tu as appelé à régner et les gens tout autour parlent. Détourne-toi. Ça ne sert à rien de répondre. Généralement, les personnes pour qui tu as été suscité comme libérateur sont ceux qui se moquent de toi. David s'est détourné, il n'a pas voulu écouter. Il a affronté son Goliath. Il faut te focaliser sur le combat de ta destinée. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Et moi, j'ai parlé à la terre, j'ai dit, terre, tu ne me prendras pas avant que j'aie achevé ma course. J'ai demandé à Dieu 15 ans de rajeunissement, il me l'a accordé. 15 ans pour remettre. Je suis né il y a 50 ans, mais j'ai 35 ans. Donc, parce que Dieu m'a donné le rajeunissement. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma course. Je dois affronter mon Goliath. Je dois le terrasser. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. On n'est
pas, on ne lutte pas des combats où on est qualifié. On n'est pas qualifié, Dieu nous a qualifié. Ça s'appelle sa grâce. Reçois la grâce sur ta vie. Oh, ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit reçois la grâce sur ta vie. Reçois la grâce abondante sur ta vie. Et fais les exploits remarquables au nom suprême de Jésus. Comme potentiel surhumain, prends le contrôle de ton être et que tu sois habité par une puissance souveraine, te rendant à même de faire des choses que tu ne pouvais pas faire de par le passé, et que tes espoirs soient retentissants, que toutes les personnes qui hier se sont moquées de toi soient étourdies en verrant les choses qui se produiront par toi. Dans le nom suprême de Jésus, ta vie est arrosée, ta vie est bénie, ta vie est distinguée, ta course est accélérée. C'est ton partage et ta portion. Donne-moi trois beaux amen. Tiens à ton voisin, c'est le Dieu que je sais. Encore, c'est le Dieu que je sais. À qui rien n'est impossible. Le Dieu de grands exploits. Cher voisin, en ce qui me concerne, j'ai décidé que mon nom viendra dès ce jour après celui de Jacob. On dira dorénavant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Wafo. Si ton nom, et ton nom, c'est pas Wafo, c'est pas ton nom, si ton nom. Alléluia, 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 acclame le Seigneur, c'est ton partage, acclame-le, acclame-le. Dieu bon. Regardez ce que Dieu vient de me dire. Oh là là, oulala, oulala, oulala. Oh là, Dieu me demande de te demander, est-ce que Dieu échoue? Là, il me demande de te demander, est-ce que Dieu échoue? Est-ce que Dieu échoue? Il me dit de te dire de ne pas faire échouer Dieu. Il me dit de te dire de ne pas faire échouer Dieu. En fait, ce que Dieu vient de me dire maintenant, c'est simple. Il dit, ne le fais pas échouer. Parce que si tu as échoué, il a échoué par toi. Dieu n'échoue pas. Ne le fais pas échouer. Et il me dit ceci. Quand je suis descendu livrer le combat contre Jacob sur la terre, Jacob m'a gagné. C'est-à-dire le combat de Jacob livré sur la terre contre l'ange qui est descendu. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacob est sorti vainqueur. Vrai ou faux? Les sorties vainqueurs, vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Parce que l'ange luttait sur un territoire qui n'était pas le sien. Aucune personne ne peut te battre sur la terre. Non, non, t'as pas compris. Aucune personne ne peut te battre sur la terre. Aucun démon, aucune entité, aucun esprit ne peut te battre sur la terre. Et non, non, écoute-moi bien. Ce que je vous dis est très prophétique et fort. Parce que même la terre reconnaît que son maître, c'est l'homme. Et Dieu t'a donné une partie en terre pour que la terre te reconnaisse. Ah non! Une partie de toi vient de la terre. La terre te reconnaît. La terre t'est favorable. La terre t'aime. T'en accepte aucun mensonge. Aucun mensonge. La terre même t'aime. Elle te donnera ses meilleures productions. L'ange est descendu. Combat contre Jacob. Combat contre Jacob. Jacob sort vainqueur. Et l'ange dit, Jacob dit, tu me bénis pas, tu ne pars pas. L'ange est obligé de le bénir. De ce combat est descendu la nation la plus puissante appelée Israël. Quand Jacob est sorti de là après le combat, la seule chose qui a changé, c'était sa démarche. Le problème d'entre vous, c'est que vous marchez trop droitement. Dieu aime les gens qu'il a brisés. Quand on te voit et que tu ne peux plus bien tenir, on dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis Dieu, j'ai lutté avec Dieu, il m'a donné un coup. Il faut qu'il y ait une marque du combat avec Dieu quelque part. Et c'est dans la faiblesse apparente que la force de Dieu se révèle. C'est quand Dieu te donne de réaliser que tu ne peux
peux rien. Sans lui, t'as quelque chose d'extraordinaire se produit. Personne ne pourra te battre sur la terre. Personne. Aucune entité, aucun démon, aucun sorcier, aucun sort, aucune domination, aucun esprit méchant. Personne. Parce que la terre, c'est le lieu où tu es équipé pour régner. Jésus dit, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dans la vie, pas au ciel. Vous savez, il y a des choses. Hier, je ne dormais pas. À 3h44, je regardais ma montre. Je voulais venir à l'église la nuit. Je voulais venir la nuit. J'étais déjà en feu pour les vérités. J'étais en feu. J'ai dit, Dieu, permets-moi de traduire avec intégrité et droiture le message que tu me donnes. Ouvre les cieux de ton peuple et que la civile, une armée de Dieu se lève. Une puissante armée. Une puissante armée de Dieu se lève. Demandez à ma femme hier, je suis resté 36 heures dans la même pièce sans sortir. De la veille jusqu'à 36 heures dans la même pièce sans sortir. Frères et sœurs, à un certain moment, la conception des responsabilités qui vous sont assignées, l'ordre de priorité change. Ça change. Parce que, en fait, vous savez, le diable nous a menti. Il nous amène à nous détourner de ce qui est essentiel. Il y a une haute responsabilité. Ton cœur doit battre à la cadence des responsabilités divines. Je ne laisserai pas la terre sans avoir laissé une trace. Donner une preuve évidente que ça marche. Et c'est mon défi en tant que pasteur, que ça marche. J'ai dit, moi, pasteur, quand j'ai entendu comment une femme se moquait de sa fille qui allait épouser un pasteur, j'ai dit, il ne sera pas question de moi. J'ai dit non, et ça doit changer. Les femmes doivent dire à la maison, il faut, oh, tu veux épouser un pasteur, c'est le même pasteur que le wafo là. Pardon, viens, épouse-le. Parce que personne n'a le droit d'être moqué. Personne n'a le droit d'être méprisé. Quelle que soit sa race, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses origines, personne. Et toi-même, tu n'as pas le droit de te dévaloriser, de ne pas te respecter, de ne pas te prendre au sérieux. Parce que Dieu rattache l'avènement de son règne sur terre par ta vie. Lève ta main, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que ça arrive dans par toi. Rends grâce à Dieu. Et lève ta main, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que tu ne feras pas échouer Dieu. Non, non, non. Non, 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 Dieu ne choue pas. Tu ne feras pas échouer Dieu. Rends grâce à Dieu. Confesse-le. L'image. La ressemblance. Le caractère, la puissance, la richesse, la santé, l'intelligence, la sagesse. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Il a dit tu. C'est à toi qu'il a parlé. Il a dit, tu, c'est à toi que le conseil de Dieu a parlé. Tu ne feras pas mentir Dieu. Ce que Dieu t'a dit, tu l'accompliras. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Pendant que Dieu te baptise, pendant qu'il te remplit d'une capacité surnaturelle. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à ton Créateur. Bénis le Père, bénis le Créateur, bénis Dieu, bénis le Seigneur, bénis ton Sauveur. Arrivo sacate. Rando cobro sacabre. Laisse-le Jean. Confesse. Déclare. Affirme. Sauve. Sans rêve, confesse, déclare, établis, sans rêve.